Je crois que le dérèglement climatique est à l'œuvre. Déclaration de la préfète de Corse, Josiane Chevalier, depuis samedi soir en plein mois de février. Les feux de forêt font rage dans l'île. Au moins 1500 hectares de végétation ont été dévastés. Écoutez, Pierre Guidoni, le maire de Calenzana, commune la plus touchée. C'est du jamais vu, je vous dis franchement, parce qu'il y a beaucoup de dégâts sur la commune. Des arbres arrachés, des toitures, des tuiles envolées. C'était virulent. Et est-ce que le temps était particulièrement sec pour un mois de février? Bien entendu, ça se laisse quand même. Hein. S'il avait plu, à cette époque, il n'y a pas d'ensemble. Ah, mais c'est impressionnant. Ça me faisait penser au feu que le Portugal vit de temps en temps et aux États-Unis. On a pris un coup dans l'aile, là. L'île de beauté, à cette allure, ça ne sera plus la même. Pierre Guidoni, le maire de Calenzana en Corse, au micro de Pierre Herbulot. Ces incendies sont la conséquence de 48 départs de feu. 8 enquêtes ont été ouvertes pour en déterminer précisément l'origine, criminelle ou accidentelle.